Salut à tous, c'est Go et on se retrouve sur Don't Starve pour la suite de l'aventure. Alors qu'est-ce qu'on va faire là? Apparemment vous m'avez dit des. Vous m'avez donné des instructions. Alors bon, je vais essayer de les suivre. Oula, il m'a fait peur. Ah, on a notre petit camp déjà. Je me sens en sûreté là. Vous m'avez. Attendez, QWERTY. Vous m'avez donné des instructions, oui. Ok, il fait nuit, sympa. D'accord. C'est cool de commencer quand il fait nuit. Là, ça me met la pression. Vous m'avez dit de rechercher. On va essayer. Les racines d'herbe. Parce que ça donnait beaucoup. Mais sauf que les racines d'herbe, moi j'aime bien. Parce qu'après, je peux replanter mon herbe à côté de chez moi. Ouais, ça donne 20, ouais, comme vous m'avez dit. Vous n'êtes pas des menteurs, bravo. Bon, on va aller ramasser de l'herbe du coup. J'aimerais bien en garder un peu chez moi quand même. Putain, on a partout, remarque. Hein. Il va bientôt faire nuit là. Fuck me. Run, motherfucker. Bon, là par contre, il n'y a pas mes gros copains à côté de chez moi. J'aime pas trop cette idée. Oh putain, j'ai pas mis le bois. Merci. Oui, alors vous m'avez dit aussi de mettre des racines d'arbres morts dans. Enfin, d'arbustes, je suppose. Morts dans le feu pour voir ce que ça fait. Ok, bah je le ferai. Bon, là je peux pas exactement tout de suite maintenant, incessamment sous peu, mais. Mais je le ferai. Boum. Effectivement, c'est plus rapide avec ça. Alors, on m'a dit aussi de faire les trucs des diamants, c'est bien utile. Bah d'accord, on va débloquer les diamants alors. Là, boum. Boum. Voilà. C'est un papyrus quoi, franchement, je vois pas. Pour l'instant, je vois pas en quoi c'est utile. Il faudrait que je débloque ça aussi, mais fuck me, j'ai plus. Est-ce que je peux. J'ai pas essayé ça. J'ai essayé. Ah, j'avais dû essayer. Faut voir que j'en ai trop là, fuck. Voilà, ça coûte pas trop cher ça au moins. Voilà. On va en cuisiner une et la bouffer. Miam. Ça, j'ai envie de le mettre là-dedans. Voilà. Ferme le coffre. Je sais pas ce qui se passe si on laisse ouvert, donc j'ai pas envie de savoir même. Voilà ça. Boum. Et du coup, je peux faire des meilleures plantations apparemment. Alors attendez, il me faut quoi? De la merde. Très bien. Je peux avoir ça, je pense. Bon, je fous. Alors on va couper des arbres. Oui, forcément, t'as pas une hache dans la main, tu peux pas couper les arbres. On va faire de la place un peu. Voilà. Oula, la pelle, elle va pas trop survivre là, je pense. Elle est morte? Ouais, c'est ce que je pensais. Il me faut quoi pour la pelle? Des arbustes et merde. Attendez, du coup, est-ce que j'ai la place de faire ça? Non, là, j'ai pas la place, là, ok. On me troll, je me troll. Du coup, faut que je trouve des arbustes. Faudra que je les foute dans la recherche, hein. Je vais faire malade avec ma lance, du coup, que j'ai craft magnifiquement. Oh, j'ai une putain de barbe, maintenant. Ultime violence. Des arbustes. Ok, on va aller dans le coin pas explorer. Là par contre je fais vraiment je fais vraiment vieux survivant dégueulasse avec la barbe. Oh, hello. Merde, il me faut des arbustes. Fuck. Ok, donc c'est des stacks de vin, voilà la réponse. Ok, il y a plein de rabbits là. Fuck. Est-ce que je me fais chier? Ouais, toi. Toi, t'es une type facile. Oh merde, le con. Bah, ça doit être toi alors. Tiens. Des arbustes, s'il vous plaît? Non? J'ai pas le droit? Sur la map, il me dit qu'il y en a pas. Ah, si, il y en a un là-bas. Il y en a trois en bas. Allez, on va aller chercher les trois en bas. Il me faut une pelle, putain. Ah, bonjour. Ah, déjà je peux craft une hache aux F. Mais ça, c'est quoi ce délire là?
Ok, elle commence à être vraiment grosse cette ruche. Ok, elles étaient pas comme ça avant. Je pense que si on les laisse, plus on les laisse, plus elles grossissent, peut-être ça le délire. Faire une shovel. Et du coup, on va pouvoir la mettre là déjà. T'as faim? Oh oui, tu as faim, oui. Putain, il peut pas attendre le souper du soir. Il est où le troisième? Merde. Ok, il y en a un là-bas. Effectivement, il commence à avoir faim, le bougre. Bon, ça va être easy maintenant que je sais ça, quoi, de faire de la recherche. Et on va manger des graines. Hein. Tout ce qu'on a pour l'instant. Même pas cuisiner rien. Bon, pour le coup, il faut vraiment que je pute des lapins là. Oui, j'utilise la hache hein, parce que c'est moins cher que la lance. Oh l'enfoiré! Putain, mais toi t'es bien loin de chez toi. Ouais, bah voilà, ça t'apprendra. Faut que je replante chez moi aussi des arbustes parce que là ça va pas. Qu'on a la moitié du jour. Encore faim, je suis à 16. On va essayer de niquer celui-là. On va se faire des rations. Voilà. Bon, ça a fait peur aux autres, effectivement. Je les comprends. Il est à 13. Il a faim, il a très faim. Des graines. Attendez alors. Putain, il y a beaucoup de spiders hein, près de chez moi. Lui, il faudrait que je le nique. Il faut aussi que je découvre un peu plus l'île, quoi. Ce serait pas mal, non? Il a très faim, là. Toi, engeance du démon. Ouais, je t'aurais jamais, toi. Ah putain, je lui ai coupé les cheveux. Je suis à 9. On va peut-être manger un petit truc, non? Putain, mais ça. Ah, mais je. J'avais pas vu que j'avais de la viande cuite, bah forcément. C'est sardone ça. Sardone comme il faut. Bon, lui je l'aurais pas. Merci pour les graines. Putain, mais il y a trop de terriers. Je sais pas qui va dans lequel et pourquoi quoi. C'est... Ah, j'ai cru que j'allais en avoir deux, mais non, j'ai un peu trop rêvé. Tu m'étonnes, qui se casse. Il fait quoi là? Non, toujours pas de nuit. Bon là j'ai coupé des arbres, limite je peux les sortir de terre. Hein. Voilà. Il a la barbe hein. Peut-être faire que je fasse un rasoir un jour. Bon, la barbe pas aussi longue que ça, elle passe bien, mais celle-là ça fait un peu Gandalf le noir là. Ok. Et toi je vais te niquer. Voilà. On continue de prendre des choses hein, on est content. Ah, it's getting late, I need to make a fire. I need to rentrer to my home surtout. Oh bonjour. Nos routes se croisent enfin. Allez vite à la maison. Putain, wow, nos routes se croisent enfin, oui. Oh putain, comme par hasard, ils les mettent pile quand je dois rentrer pour me retarder. Vous m'aurez pas comme ça, bande de fourbes, j'ai une torche. Qu'est-ce qu'il a, lui, le gros, là? Il veut se battre, j'ai tué son frère l'autre fois. Dans un combat totalement épique. Ça, c'est un peu la ressource infinie, hein, les bouses. Ok, peut-être mettre... Allez, hop, un arbuste dans le feu. Oh, oui, ça marche bien. Qu'est-ce qu'il a? Il a plus de hache? Il est pas content? Là, tu vas faire cuire toutes tes merdes, tu seras gentil. Cooked de morcelle. Ok, tu peux le mettre dans ton sac, s'il te plaît. Et en manger un. Ok, ça redonne pas mal. Bon, c'est pas la folie, mais ça redonne. Le bois, j'en ai beaucoup. Il
Attendez, maintenant on va faire les trucs d'herbe là. Ça c'est de la recherche les gars, merci de m'avoir dit cette astuce franchement. Ça fait plaisir. Ça va plus vite surtout. Regardez-moi ça comme ça va vite avec ça. Putain mais quand tu sais ça t'as la connaissance ultime quoi c'est. On va en planter encore un peu. Parce que ça en fait je pourrais pas après les refaire quoi. Quoi d'autre que je voulais faire? Ah oui les arbustes. On va les planter par là. Bon les arbustes on va tous les planter parce que c'est assez rare quand même hein. J'ai pas envie de prendre le risque. Alors il me faut une pioche. Yeah. Putain tous les arbres que j'ai autour de chez moi c'est un peu abusé quoi. Et la forêt noire à côté de chez moi. Peut-être pouvoir faire mon putain de truc maintenant. Ah oui. Tuk 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 tuk. Ah. Et maintenant je peux mettre des graines s'il vous plaît. Je vais en mettre qu'une. Putain mais le mec il te fait un putain de champ. Il en met qu'une quoi ça. J'ai un peu du mal à accepter. Qu'est-ce que j'ai dans ce putain de coffre? Ah ok c'est la fin déjà. Merde. Ok qu'est-ce que je peux mettre dedans là? Que dalle. Je peux le fermer et je peux repartir à l'aventure je suppose. Ah oui il y a mon piège là où j'ai pas mis de bouffe dedans forcément. Qu'est-ce qu'il fait lui si près de la côte là? Le beefalo. Ah je peux pas mettre de... Ah je suis niqué. Il me faudrait un buisson à... Putain il va falloir que je revienne dans les contrées du sud. Parce qu'il y a des buissons là-bas. Bon on va essayer de descendre. Saloperie. En fait j'ai un peu peur parce que il va falloir gérer ses ressources hein, parce que... Merde que je fais à foutre ça. Vu que ça, enfin je veux dire ça va pas respawn hein, vu que la map elle a pas l'air de, enfin va pas avoir des nouvelles plantes qui vont pousser donc faut faire gaffe quoi, faut prévoir. Il faut être prévoyant. Ok par contre les arbres on sera jamais en pénurie ça c'est sûr. C'est bon le gameplay je crois que je commence à y arriver comme il faut. Ah voilà ça que je cherche moi. Petits arbustes là. Ça c'est le bien ça les arbustes. Est-ce que vous pensez que j'arrive à l'avoir lui? Très peu de chance. Allez je lui coupe les cheveux. C'est gratuit, c'est cadeau. Par contre je prends un temps fou à switch d'armes, enfin d'objets à chaque fois c'est... Les fleurs. J'ai l'impression en fait qu'il y a que du orange tout autour. Et là Oui parce que j'ai quand même compris au final que c'était des îles non. Ça doit fonctionner genre là une île. Une île après je suppose que là il y a un chemin qui part vers là. Une île après encore une île. Ça doit être que ça hein, sûrement. Bon là il y a une pierre au milieu. C'est un peu la vie ça. C'est un peu rare. Les pierres aussi ça va être chaud quoi, il va falloir voyager hein, pour s'en choper des pierres. Ah j'aimerais bien avoir des baies en fait. Enfin je disais spécialement il me faut des baies pour mettre dans le piège parce que j'ai pas envie de mettre un steak ou je sais pas quoi qui sont chiants à choper, je mets des baies et puis voilà on en parle plus quoi. Et puis bon des baies j'en ai pas c'est quand même triste. Vous êtes pas d'accord? D'accord. On traverse le pont de la Moria. Dixième jour les gars, dixième jour, bitches. Ah cette mer épique. Qu'est-ce qu'il fait cet oiseau à venir se poser sur mon pont? Putain la putain de barbe qu'il a, j'aimerais bien voir jusqu'où ça peut aller cette histoire de barbe. Ah
Alors toi, est-ce que je peux te déterrer? J'entends des abeilles. Il faudrait que je les nique, hein. C'est inacceptable. Elles se croient chez elles. Faut que je nique leur putain de nid. Bon, elles sont un peu trop nombreuses en fait, j'ai un peu peur de les attaquer. Je cherche des arbres à baies. Ah, il y en a à côté de la ruche, tiens, parfait. Je voulais me faire niquer par des abeilles, tiens, ça tombe bien. On va essayer d'éviter un minimum. Ah, est-ce qu'on peut faire cuire les baies? Je crois qu'on l'avait fait dans la découverte. Attendez. Mais on peut tout faire cuire dans ce jeu, donc pourquoi je me pose la question? C'est inutile. Ok, là il y a un putain de nid d'araignée, je crois qu'on va se les faire. Ce sera pas trop de tuer ces conneries. Est-ce qu'il n'y a pas un feu par ici que j'aurais laissé par hasard? Non, j'avais pas laissé de feu, ok. Est-ce que j'ai de quoi m'en faire un? Oui, donc c'est bon, je pourrais essayer. Ah, l'attaque! Oh là, il y en a une bizarre là. Ouais. Bon, ça elle fait très mal cette arme. Hein. Je sais pas combien il faut avec une hache, mais ça fait très très mal. Putain, mais il y en a des jaunes bizarres là, c'est quoi cette évolution? C'est depuis qu'elles sont plus grandes les ruches, là il y a des araignées de folie dedans. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je l'ai fait. Ça en moins, un mal en moins sur cette terre. Ok, alors j'ai le droit de couper les berrybuches. Je devrais pas être trop loin de chez moi, comme ça c'est pas bien. Oh, une carotte. Ça fait longtemps quoi. What? J'ai pas la place. Hit. Yes. Une carotte encore, mais fuck me. Oh, du fer. Bon, on va établir notre camp ici, hein, tout merde, on n'a pas le temps de rentrer, clairement. On va se mettre face à la mer et on va se faire un camp. Non, les carottes, j'ai envie de les garder quand même, non? Mange du morse. Merde, oh, te lâche pas. Putain que celui-là. Mange. Miam, miam, c'est bon les morse. Moi, je veux marquer morcel, ça me fait penser plus à morse qu'à... un feu. J'ai trisomiqué là, j'ai mis longtemps à réagir. Non, quoique la mer, j'ai pas confiance en fait. Par là. Boum. Et hop. Merci. Merci bien, mesdames et messieurs. Pas d'applaudissements. J'espère que je vais pas crever maintenant qu'on est loin. Bon, alors on en aura des putains d'arbres à baies là. Pas les fleurs, c'est le mal. Je dis ça, j'en ai 3 dans mon inventaire, normal. Bon, ça j'en prends jusqu'à en crever, hein, tant que je peux. C'est bizarre parce que la limite d'objets qu'on peut avoir diffère selon les... Oula, pas dans le noir. Oh, diffère selon les... Les trucs, par exemple les herbes là, je sais pas, ça doit être 30 je suppose, le bois c'est 20, enfin bon, ça change selon les choses. Par exemple les racines là c'est 10, bon ça doit être par rapport à la taille hein, mais bon, voilà quoi. Juste pour faire une remarque totalement inutile, je garde ma lance, et on garde notre perso qui a besoin sérieusement de se raser. Alors... Je regarde un peu hein, ce qu'on pourrait débloquer. J'ai tout débloqué dans le diamant, vous devez être content de moi là. Ou pas. Non mais tout ce qu'on peut faire c'est attendre un hammer. Ça pourrait être sympa ça, mais bon là j'ai pas de pierre sur moi tout de suite. Il me faudrait un lit ou un truc là, j'avais vu un truc pour passer la nuit dans les trucs quand je recherchais là. Pour l'instant je me fais pas attaquer. Je me suis fait attaquer une fois la nuit, enfin à la sortie de la nuit non. C'était un jour là, il y avait des chiens là, enfin des espèces de loups chelous qui sont fait défoncer par les mammouths. Je remercie les mammouths grandement pour ça d'ailleurs, ça aurait pu être la fin de Go. On va essayer de faire cuire les... Ah oui, ça se cuit. Normal, hein, moi aussi je cuis mes baies. Hein.
Ça va pas être le meilleur truc à faire cuire ça, hein. Ça peut être très bon. Mes carottes, je les cuis. Ça par contre, il peut pas le cuire, je chiale. Bon, il peut. La viande de monstre. Et donc la viande de monstre, ça enlève de la santé et ça redonne de la bouffe. Oh, j'ai entendu un bruit là. Vous voyez, par exemple, je suis sûr qu'avec le marteau, je pourrais l'emporter avec moi, ce feu de camp. Enfin bon, ce serait totalement épique. Normalement, je n'ai pas de marteau. On se refaire une pelle, parce que c'est un peu le truc le plus utile pour l'instant. Bon, alors, où on va maintenant? Oh, il y a plein de buissons là-bas, hop, vamos. Oh, des carottes. Je prends les carottes, moi j'aime bien. Hop. J'entends des bruits, donc on va pas prendre de risques. Qu'est-ce que c'est que ça, démon? Sortez de vos cachettes. Je vous affronte. Non? Ok. Ça vient de faire des bruits bizarres, c'est pour se cacher juste après, un bord de tarlouse. Le fer, ça c'est bon. Ah, bonjour. What the f... Oh non, pas lui. Lui, je veux le niquer, lui. Mais lui, je vais le niquer, putain, il doit rapporter tellement de trucs. Putain, il faut que je me trouve un arc, quoi. En plus, il revient me troll, quoi. C'est pour ça aussi, je me disais, putain, il n'y a pas de baie dans le truc, ça va pas repousser depuis le début du jeu, mais en fait, c'est lui qui se les goinfre. Eh ben, tu vas plus rien goinfrer parce qu'il y aura plus rien à te goinfrer, d'accord. Par contre, lui, ça risque d'être un enfer quand il va respawn à côté de mes buissons chez moi, là. J'espère qu'il va pas le faire. Ce sera un coup dur. Il y en a encore, putain, mais il y en a partout de ces saloperies. Merde, j'ai plus la place. On va le laisser. On va lui faire plaisir à ce connard de dindon là. Ah, il est content là. Non, non, y'a plus rien à manger, t'as tout bouffé. Je sais même pas où je vais là. Ah, des graines. Merci. Là, on mange un peu du mammouth. Du coup on fait le tour de cette île hein. Comme ça on l'aura mappé un peu. On fait de la cartographie. Carottes, parfait. Il y a plein de carottes ici, c'est un peu abusé. Ah, ah, il y en a trois là, j'en ai vu trois. Là et là-bas. Bon, ça se déroule. Oh, pas trop mal. Un petit dernier, jamais 405. C'est un nouveau proverbe que je viens d'inventer pour l'occasion. Du coup, putain, mais là-haut c'est le territoire des abeilles quoi, c'est violent. Donc on a respawn ici nous, très bien, à la croisée des chemins. Je vois pourquoi je dis ça. Ok, il y en a forcément qui est de ce terrier. Allez, j'ai eu le bon, j'ai eu de la chance. Mange-le direct, allez hop, on va se faire chier. Des graines, des carottes, c'est la fête au village. Des abeilles de merde, c'est moins bien ça. Une pierre à briser de ma pioche. Oui, j'ai vu que je pouvais pas plus emporter, merci. C'est pour ça que tu vas manger des graines. Miam, des bonnes graines. Attends, on est vite encombré hein, quand même. Allez. Des fois il s'énerve comme ça, il veut plus miner. Voilà, oh, de l'or. Et merde, j'ai pas la place, c'est vrai, je suis con. Ça sera fait. Qu'est-ce que je peux me passer? Putain, mais ça me fait chier de bouffer mes carottes, la merde. Voilà. Du coup on va encore là. Elle est où ma lance? Ah. Parce que la lance aussi c'est un peu épique hein. Il y a bien des choses sur cette putain d'île. À
Allez, encore un peu de baie, hein, comme si on en avait pas assez. Bon, cette expédition aura été fructueuse. Oh, le connard. T'as mis, je l'aurais, hein. Putain de dindon de mes couilles. Vivement un arc. On va juste examiner la zone ici. Est-ce qu'il y a encore mon feu de camp là-bas sûrement? Carotte. Il y a bon. Oui, il fait nuit, oui. T'as besoin de faire un feu, merci. Ça, on pourra pas dire que j'ai pas exploré cette putain d'île. En plus, c'est bien parce que ça nous met vraiment tout ce qu'il y a, les buissons, tout. C'est assez violent. J'étais vers où avec mon feu de camp? J'arrive pas à me rappeler, fuck. Je vais devoir en faire un nouveau. Ouais, non, ou alors je me balade avec ma torche, easy. Easy, non, pas trop en fait. Pas trop easy. Carotte! Yeah. Il va mieux falloir que je me fasse un feu de camp dans un jour. Est-ce que je peux le mettre sur la route? Oui, je peux. Dieu, j'ai eu peur. Déjà, on va faire un peu avec la torche. Jusqu'où on peut aller déjà. Si on peut aller jusqu'à la home, c'est parfait. Home sweet home. What? Arrêtez de vous déployer sur les... Mais terre! On avance dans l'obscurité de nuit. What? J'aime bien comment il court le personnage. Ah, j'ai vu de la bouffe par terre. Bon, j'ai pas ramassé. C'est les autres qui doivent chasser là, ces saloperies. Je suis bientôt chez moi, s'il vous plaît. Quoi, la torche elle marche moins bien? Ah, j'ai eu peur, putain, c'est juste parce que j'étais dans un truc sombre. Ça, je vous réveille pas avec ma grosse torche. Fermez vos gueules. Ah, je l'ai poussé un peu, c'est pas grave. Tu chez moi. Vite, 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 vite. Un buisson dans le feu, un buisson dans le feu. Et on finit la torche parce que j'ai pas envie de me trimballer avec ça. Là. Alors, on va pouvoir planter quoi? Des buissons. Mesdames et messieurs, parfaitement des buissons. C'est-à-dire je les mets où quoi? Ici. Putain, j'espère qu'il n'y aura pas ce putain de dindon de merde. Je me fais un petit écosystème chez moi. C'est plutôt marrant. Oh wow, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, parce que je peux faire plein de choses. Est-ce que je peux mettre des choses dans le coffre surtout? On va faire plein de choses, de la cuisine, la bonne cuisine de chez nous, des baies cuites, miam. Hein, on va regarder un peu le coffre. Putain, on a de la viande de monstre encore à faire cuire. Putain, on a 10 viandes de monstre quoi qui nous servent à te chier. Plutôt cool. Faire cuire gold nugget, non je peux pas. Ok, le... Ah oui, forcément j'ai couru la moitié de la nuit, je me disais c'est passé vite. Non bon, on va rester un peu dans notre camp là. Genre de faire un peu le... Histoire un peu de gérer ce qu'on fait là. La cile, qu'est-ce que ça rapporte beaucoup en recherche? Non. Enfin non, par rapport à ce qu'on peut rechercher avec de la merde. Allez, gold nugget là-dedans. Flint, on le garde. Les graines on les garde. Putain, ça a poussé là. Qu'est-ce que c'est que ça? Waouh, qu'est-ce que c'est? Dragon fruit. On commence à enfin à avoir des vrais trucs quoi. Ah non, des carottes, fait chier. Je vous hais. Dragon fruit, je sais pas si c'est rare en fait. Cook, allez hop, cook. Dragon fruit. On va le garder là-dedans. À la place de Stinger. Il me fait chier ce Stinger. Je vais le rechercher, allez hop. Fuck. Pas que ça fout de garder des Stingers.
J'ai encore 5 racines. Putain, j'en ai plein des racines. What the fuck? Tout ce que j'ai. Oh, des graines. Hello. Beefalo, tu te casses. Putain, mes arbres ils sont tous gros aussi. Faudra peut-être que je les coupe un jour. Pelle, on la met dans la main. Les pierres, on les fout dans le coffre. Dans le coffret. On a 20 pierres, les gars. C'est un peu la fête au village. Je sais pas si vous vous rendez compte. Un peu plus de carottes. J'ai plein d'herbes, de bois. Bon, ça me sert directement sur le terrain, donc je garde, mais. Ça, maïs à cuire. Là, popcorn, bien sûr. Pourquoi pas. Je garde la bouffe avec moi. Et on va faire un peu de science. Alors, science, the science guy. Ça c'est bien ça, avec une résurrect, maïs et fusine, science. Il me faut d'abord un rasoir. Un razor. Sinon je peux me faire alchimie engine. C'est un peu rigolo ça. Attendez, il me faut un putain de rasoir. Where are you, rasoir? Razor. On va se faire un rasoir. Et moi j'aime bien l'idée de pouvoir me réinsuffler la vie. Il me faut des planches. Ça coûte cher hein, cette connerie de résurrection. Hein. Intérêt que ce soit utile. Il me faut 4 steaks de bif à pute. Attendez, déjà je vais faire un rasoir. Shave. T'en mets du temps. En même temps, puisque t'as. Oh, est-ce qu'il y en a 4? Il y en a 3, je suis sûr. Ah, la fourberie n'a aucune limite dans ce jeu. Vous savez quoi pour la peine? On va se faire un coffre. Ça coûte cher, mais il me faut un coffre. Fuck. Fuck et fuck. Cette merde, j'ai beaucoup de bois. Je sais pas pourquoi je me ferais chier. On va mettre mes carottes ici. On va mettre mon rasoir ici. Bon, toi, je vais te niquer, petit beefalo. Là, t'es sur mes terres, désolé. Tu l'as un peu cherché. Puis le temps que je leur dis pas de venir, ils continuent de venir, c'est incroyable. Manque de respect évident. Qu'est-ce que je voulais faire là? Je voulais foutre quelque chose là-dedans. Qu'est-ce que c'était? Non, bah, je m'en rappelle pas, visiblement, j'ai pas de mémoire. Oui, donc le beefalo va trinquer, hein. Désolé. Est-ce qu'il y a ses copains autour? Non, en plus, il est tout seul, le pauvre. Ah, non, 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 il est pas tout seul. Fuck my life, il est pas tout seul. Putain, j'en ai des graines. Y'a pas un isolé de beefalo là? Je vais aller voir mon appât, je suis con. Trop de choses en même temps! Ah, s'il y a pas une prise. Ok, y'a. Ah. Ok, il est sacrément con lui, il y va. Sérieux, attends, est-ce qu'il y va là ou est-ce qu'il me troll? Je crois qu'il est en train d'y aller, hein. Oh non! Il était en train d'y aller! Dégoûté. Oh, je dois le niquer lui, il est tout seul. Oh putain, je peux pas prendre le risque, il fait nuit les gars. Je préfère le faire de jour, ça vu le combat que ça a été l'autre fois. Je préfère pas avoir à faire ça encore une fois. Je vais en profiter pour couper tous ces putains d'arbres là qui sont sur mes terres. Et bah putain, il est chaud à couper lui. De Dieu. Ça permettra de faire des planches. Oh putain, il a plus de bois. Il a plus de hache. Coupe-moi ça, abattez-le. Putain, j'ai une putain de forêt d'arbres immense. C'est abusé quoi. Ah putain, lui il est mort. Ouah. Oh putain, ça aurait été tellement con. Vous imaginez? Oh la connerie.
Il me faudrait un autre feu comme ça, c'est chiant là. Je peux pas aller vers la forêt noire, hein, j'ai peur. Ouais, remarque, là je peux y aller quand même, non? Là. Ouais, là je peux y aller. Allez hop. Ouais, des gros putains de dingues. Il a faim, oui, très bien. Tu vas manger en temps et en heure, tu mangeras. Oui, je ferais mieux de couper les immenses, mais moi je coupe n'importe lequel, pas de discrimination. Ok, j'entends un bruit, j'arrête d'aller là-bas, très bien. Du coup, il mange. Miam. Ok, ils vont arriver là, j'entends des espèces de loups encore. Préparez-vous au fight. Prepare yourself. Putain, je les entends. Je bouge plus, j'attends. S'ils me trouvent pas. Allez, je peux clairement les entendre. A droite, à gauche, ils m'encerclent. Ils font leur stratégie, ils sont contents. Je me dis, on devrait toujours avoir une torche sur nous. Au cas où. Allez, attaquez-moi, bande de tarlouses. Il y en a en haut, un à droite. À gauche. Bande de tarlouses. Allez, le jour. Il arrive. Fight! Allez, le jour. Je peux pas tourner en rond. Ah. Vite, beefalo, beefalo, beefalo. Ils ont mordu le beefalo. Yeah. Toi je te prends en solo toi. Toi je te solote. Voilà. Non. C'est bon les gars, vous êtes morts. Renoncez à tout espoir. Et lui tout le monde s'en fout de lui. Ah non. Ok. Un petit bug là. Allez crève. Ça le combat pas trop agité hein. Putain. Merci beefalo. Vous êtes bien brave. Par contre ils ont mis le temps à m'attaquer hein, putain. Tapette. Qu'est-ce que je voulais faire du coup? Encore de la viande de monstre, fuck 10 quoi. Je pourrais pas avoir autre chose pour avoir tué des bêtes comme ça. Enfin pour avoir tué. Pour avoir vu mourir sous mes yeux des bêtes comme ça. Ça j'aime bien ça, les trucs de dragon là, je sais pas ce que c'est encore mais c'est bien. Est-ce que j'ai des graines? Oui. Faut que je coupe là, faut que je coupe tous ces arbres de merde. Ça va me faire du bois un peu. Parce que là j'en ai un peu trop pour très peu d'utilisation donc ça va pas du tout. Je sais pas combien de temps ça fait que j'ai commencé la vidéo, enfin comme d'habitude j'ai envie de dire mais... Je sais même pas si c'est violent ou pas, je vois pas le temps passer sur ce jeu de toute manière. Putain qu'ils sont longs à couper ceux-là par contre. Ils sont chiants jusqu'au bout. Est-ce que je vais avoir assez de haches? Ça m'étonnerait. Fuck. Die. Alors. En plus, il faut déterrer leur tronc. Enfin, bon, c'est inarrêtable quoi. Après, il va falloir que je tue un beefalo, hein, vous le savez. Bon, je les replante quand même au cas où. Hein. Je vais avoir beaucoup de bois pour faire des planches. C'est bien. Je tue un beefalo, ça me fait de la peine, je les aime bien moi. En plus c'est plutôt mes alliés dans cette guerre. Ouais, les arbres c'est quand même très rentable hein, avec les pommes de pin là, ça pousse super vite. On a toujours des pommes de pin en plus, bah, allez on va étendre la forêt noire. On va faire la plus grande forêt du monde que la terre ait connue. Yeah.
À un moment, je devrais tous les couper pour je ne sais quelle raison, et là, je vais douiller. Là, je vais pleurer. Là, je me dirais, mais pourquoi j'ai voulu faire la plus grande forêt que la terre ait jamais portée? Je me sentirais mal. Bon, t'es tout seul, toi? Non, mais ton copain en haut, il m'a l'air tout seul. Non, mais putain, il reste par groupe à chaque fois. C'est vraiment des PD, quoi. Achetez-vous des balls. Ah, il y en a en haut. Hein? Ah, putain. Et l'autre, là, sur son rivage, là. Ah, beefalo, tout seul, tout seul. Ah, beefalo. Ah. Putain, ils sont deux. On va se contenter d'un rabbit. D'un Roger Rabbit. Crave, crève plutôt. Bon, ils me font chier là ces bifs. Oh, mais j'avais même pas exploré tout quoi. On voit même ma baraque. Inacceptable. J'avais pas tout exploré. Oula, il est où toi ton terrier? Où est-ce qu'il est? Ah mais j'avais dit aussi qu'il fallait que je chope un lapin avec le piège. En même temps je peux les tuer comme ça, c'est facilement donc Enfin bon, on y sera quand même pour le prestige mais... Ah, toi par exemple tu seras la cible. N'aie pas peur. Les bonnes baies, t'as envie de les manger? Viens chercher les baies. Oui, viens stupide. Viens chercher les baies. Oh putain, deux fois! Pas possible d'être con comme ça quoi. Est-ce que je vais quand même faire agresser chez moi dans ma dans mes propres terres, sur mes propres terres? J'espère pas. J'aimerais que ça ne se reproduise pas. Putain, il y a des bifalo là encore là qui traînent. Pour chier être en groupe ceux-là. Ouais, tu peux être étonné de me voir passer, ouais. Ah putain, il y a un arbre qui est fané, voilà. Et voilà. Non mais c'est tout, je savais que ça allait arriver. Je peux attendre un peu pour... Non, remarque, après je vais attendre et je vais quand même me retrouver dans la merde comme tout à l'heure. Hein. Alors... Je peux en faire quelques-unes de putain de planches maintenant. Hein. Sans avoir à trop m'inquiéter. Et donc il me faut de la viande de bif. Allo. Bif, allo, bif, allo. J'aurais jamais dû la manger tout à l'heure mais bon. Mon appétit me perdra. Les graines, je vais les laisser là. Le bois, j'en ai beaucoup. Allez, je fous là-dedans. Les racines, je les fous là-dedans. Ça, je le cuis. Je fous là-dedans. Voilà. Ensuite, alors j'ai encore 37 points de science. J'ai envie de... Oui, tu as faim, comme nous tous, dans ce monde. Miam. J'aime bien comme il mange. Qu'est-ce que je voulais voir en fait? Attendez. J'ai oublié en 3 secondes. Ah oui, merde, il me faut... Oh, ça pousse! Ça pousse, ça pousse. Silence, ça pousse. Oui, France 5 alors. Ou Arte, je ne sais pas. Un des deux, c'est tout. Du bois, allez, 3 de boîtes. Ah merde, il y en a encore un qui est mort. Encore un arbre qui est mort là, mais ça me fait de la peine ça. Faut que je les coupe pendant qu'ils sont jeunes. Et pleins de vie. Oh, j'entends encore des monstres, je crois. C'est qu'ils sont pas trop chiants à couper quoi. Non, je crois pas là qu'il y ait des bestiaux, j'entends juste des monstres de la nuit. Il va faire jour. Ah. J'essaie de repérer les plus vieux un peu. Ça doit être les plus foncés sûrement.
Et il pleut jamais dans ce jeu. Hein. J'ai pas l'impression qu'il pleuve dans ce jeu. Qu'il a météo. Il n'y a pas la météo dans ce jeu, mesdames et messieurs, c'est terrible. C'est un coup dur. Ah, ta race avec tes haches. Le mec il pète un câble. Putain, merde. Putain, il a toujours un physique de mouette là, par contre, notre héros, alors que c'est un. Il travaille comme un dingue, quoi, c'est. Allez, un petit peu d'arbre ici, par là. Oui, je sais que je devrais pas planter les arbres aussi près parce qu'après ça devient chiant à ramasser le quand on les a coupés, mais bon. Vous voulez que je vous dise, moi j'aime bien faire des forêts, hein. Puis regardez, après je vais là, hop, où je suis. Où je suis sur l'écran, hein. Vous me voyez pas, voilà, c'est clair. Clair et net. C'est un argument de choc ça. On va prendre un truc là. Voilà. Je vais ramasser toute sa plingue. Ça devient une vraie petite industrie là, notre bordel. Une petite industrie qui a besoin d'une pelle et d'aller chercher des hautes herbes. Putain, mais il faudrait que je nique un bifalo aussi, merde. Trop de trucs à faire là. En plus il va falloir que j'arrête la vidéo, c'est terrible, mais c'est comme ça. Il va falloir que j'arrête, mesdames et messieurs. Voilà. Il est bien ce jeu, il est bien ce jeu. Et il faut que j'essaye de choper un lapin, bon allez, avant qu'il fait jour là. Avant que ce soit encore un fail majestueux. Lui il est con là. Viens pas trop, putain de connard. Il se rapproche là. Viens. Non bah pff, gros goinfre. Il l'a vu? Ouais il arrive. J'espère que c'est ça. Ou alors il vient juste me troll, il vient juste voir. Bonjour, qu'est-ce que c'est que ça, DB? Qu'est-ce qu'il fait lui? Oh, il va arriver avant. Oh, le voleur. Oh, là, c'est un duel là entre les deux. Non, mais lui il va gagner. C'est déjà fini. Bon, l'autre pour pas qu'il soit trop triste. On va quand même le tuer. Et merde. Oh, du lac science. Ok, j'examine le rabbit. Il me fait du lac science. Ça va, ouais, j'aime bien la science. On va choper un autre. Comme ça, on pourra faire des expériences sur eux. Des expériences contre l'éthique. Ça a l'air bon, hein. Ouais, vas-y, viens prendre les baies. J'aimerais bien que le gros, il aille les prendre. Allez. N'aie pas peur. Oui, nice. Oh putain, mais c'est que ça prend de la place, ces conneries de rabbit de merde, là. Putain. On va essayer de faire de la recherche sur eux, voir s'ils rapportent beaucoup. Ce sera rigolo. Putain de bifalo, mais tiens, allez, lui c'est bon, lui il a gagné le ticket lui. Quoique. Hop, c'est bon. Bon, ils sont deux. Ils sont bientôt trois. Non, c'est bon. Bon, les deux, je pourrais jamais. Il y en a un qui a abandonné le combat. Bon, lui, par contre, il s'arrêtera pas, c'est ça? Non! Oh l'enfoiré! Hein? Si je fais retry. J'ai même pas eu le temps de faire ma machine à. Ok, fuck you. Je crois qu'on a débloqué un nouveau personnage, donc c'est pas trop grave si c'est le cas. Oui. Oh. On pourrait essayer comme ça le nouveau personnage la prochaine fois. Alors désolé d'être mort avec Wilson.
C'est pas grave, on pourra faire avec Willow. Putain, il aime bien les noms WE. Lui s'appelle Locked. Lui aussi. on essaiera avec The Fire Starter. Apparemment, c'est une putain de pyromane. On essaiera avec elle. Wilson, il a fait son temps. Voilà, il est mort. C'est triste, mais c'est comme ça. Puis on en fera un avec nous. C'est assez long, on verra. En tout cas, merci d'avoir regardé. Et à la prochaine. Ah, bonjour. Mais je vous connais, vous. Arrête-toi, arrête-toi. Enfoiré de merde. Putain, les animaux mon cul, ouais. Oh, y'a un tigre là, vous êtes. Je veux bien qu'il ait pas des bons freins, mais what the fuck, quoi. Là, c'était un attentat. C'est quoi, c'est un cochon?